Et salut à tous les amis, c'est Agrosti, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil 2, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'enchaîne. Mais je crois qu'à ce rythme-là, j'aurais fini le jeu, enfin la campagne, en une seule et unique session. Bon, au moins ça me laissera un peu plus de temps pour autre chose, on va dire. Je viens d'entendre un bruit, je sais pas si ça venait de moi, ou si ça venait de l'extérieur. Et parfois avec mon casque j'ai du mal à faire la différence entre certains bruits. Il y a un jeu que j'aimerais pouvoir faire en ce moment, c'est Detroit Become Human sur le PC. J'ai envie de redécouvrir le jeu. Voilà. J'ai envie de redécouvrir le jeu parce que comment dire, ça fait un petit moment que j'ai vu les vidéos. Moi j'aimerais pouvoir le redécouvrir par moi-même en jouant, en réalisant ma propre histoire. Franchement, si vous ne comptez pas regarder 3 Become Human et que vous allez regarder celle des autres, moi franchement je peux vous dire regardez quand même la mienne, parce que c'est toujours intéressant de voir comment chacun joue et on va dire réalise sa propre histoire sur le jeu. Chaque personne ne sait pas faire tout ça, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 100 fins possibles dans ce jeu. Donc franchement, voilà quoi. Il y a moyen que je fasse quelque chose de plutôt sympathique. Ça se trouve je vais faire quelque chose qui est déjà vu et revu. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, sinon, je peux me débarrasser de ça. Voilà, j'ai de la place pour tout et n'importe quoi. Hop. Oh, bon. C'était quoi ça? Ah. C'était quelque chose que t'as pas envie de toucher, mon petit Léon. Voilà, 3 balles de Magnum, ça va encore. Quoique l'œil était à nu, donc ça. Ça juge peut-être pas tout. Balles, ça va, c'est respectable. Alors normalement il y en a ici des balles de Magnum, je crois. Ouais, voilà, 17 balles. Je vise comme une planche. Alors ici il y a un zombie. Voilà! Tout est ok. Let's go. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Ah. Tout va bien, franchement. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais en même temps, avec un pistolet limité, c'est facile. Hein, je dis ça, je dis rien. Après vous m'en voudrez pas, hein. Moi j'avais envie que ça avance. Et du coup bah ça avance hein. Alors il y a une plante bleue quelque part, la voilà. Voilà.
Et une balle gratuite de la tête. Donc. T'étais pas là tout à l'heure. Ah oui mais merde. Faut que je passe par là quoi, qu'il arrive. Du coup, papapam. Pic. Ça l'amuse, voilà. Hop. Je récupère. Je récupère. Hop, je mets la queen. Je mets le roi. Je sais combien de temps? 6 minutes, tout va bien, nickel Michel. Je récupère la prise, hop. Et voilà. Enfin, je pensais avoir du carburant dans ce flamme avec, mais il n'en est rien manifestement. Et ce n'est pas grave, je vais n'aimant plaindre. J'ai même ce qu'il faut pour remonter directement jusque là. J'ai bien joué là-dessus, j'ai envie de dire. Voilà, je lui ai coupé la jambe. Il n'y a plus qu'il fasse un plongeon. Allez, plonge. Plonge, 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 plonge. Ouais. Hop là. Débarrasse de tous ces nuisibles. Dès qu'il gratte. Voilà, j'ai plus qu'à me casser de cet enfer sans nom. Je savais qu'il était là. Lui, il va bien, il bouge pas. Il fait sa vie, ce zombie. Zombies. Hop. Du coup, le lance-flamme contre machin chose, ça servira à rien. Tac, tac. Je vais ranger celui-là. Poupidoupidou. Tac, 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 tac. Voilà, franchement, j'ai pas besoin de grand chose. Je reprends de la prise avec moi. Voilà, alors, à côté du pion, il y a la toute tour. Pouf. Et puis il y a la reine juste en face du cavalier. La reine, elle doit aller là. Tac. Et puis le roi. Allez. Fail. Fail. Fail, fail, fail. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? La tour à côté cavalier, mais pas en face de la reine.
tour à côté cavalier, mais pas en face de la reine. Le cavalier n'est pas à l'indiquer. Mais en face du cavalier au bout. Le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué. J'avais oublié que je m'étais trompé dans mes indications. Voilà, j'ai inversé les deux en fait. Voilà, j'avais inversé les deux. Hop, je récupère les pions. J'y suis presque. Voilà. Comme ça, le jeu va considérer que j'ai tout exploré. En tout cas, ici. C'est la zone U. Hop. Il est où le U? Hop. Voilà. Hip. Attendez. On va quand même pas oublier de sauvegarder, hein. Ce serait malheureux. Tac 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 tac. Une plante bleue. Une plante verte. Je vais encore éternuer, ça va pas tarder. Vous m'avez peut-être entendu, je crois. J'aime bien piffer et que ça marche tout seul. Oh là là! J'étais pas certain que ça arriverait! J'ai légèrement sursauté. Raté. Aïe. J'ai foncé dedans comme un con là par contre. Ah là il m'a eu. La belle main. Il est encore vivant? Manifestement. Allez, faisons un peu de place. Hop. Caca. J'y arrive pas, hein. Je sais pas ce que je viens de faire comme bruit. Aïe. En plus, il m'enchaîne. Oh là 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 là. Je suis mauvais à ce jeu. Ah bah alors. D'habitude j'y arrive plus facilement, mais là j'y arrive pas. Oh là 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 là. Il est fort peu probable que ça fonctionne. Il est fort peu probable que ça fonctionne. Ah.
Non, ça fonctionne, son atelier. Quoi? Bon, cette fois je vais y aller un peu plus bourrin. Fuck. Je crois que j'ai mis tout à côté. Tu vas voir. Allez, tombe. J'espère que c'est fini cette fois. Attends, je suis passé à côté d'une petite patte de boîte de balle. C'est dire les deux mots à la fois, ça va le faire. Pat. Allez hop. Allez. Ah. Ada. Ada, où es-tu? Par ici. Ada. Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le. Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Bouge pas. Ça va, je peux le faire. Détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef. Ah, allez, le il est temps. L'air nous amènera en Est. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où? Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. Je la devance volontairement, hein, parce que... Elle est lente. Bon, elle n'y peut rien, la pauvre. Donc voilà, ça je vais prendre, ça, je range le couture. Côté soins, j'ai encore tout ça, donc ça devrait le faire, mais j'ai pas besoin de tout ça pour le moment. Ça je dépose, voilà. Hop, tac, on recharge tout. Et je file vers le funiculaire. Voilà. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léon. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale.
pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, mais que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, hey, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale, Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Une bonne chose de faite, si je peux dire. Voilà, vu le temps d'épisode et qu'on arrive dans une nouvelle zone, on va aller se quitter. Là, on va d'abord faire un petit peu l'explo vite fait de l'accueil, de ce qui est des pièces alentour de l'accueil, et puis pour ça sera bon. Pour sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Je me demande où est le virus G. Hop, le plan du labo. Et normalement, bah y a plus rien à faire ici. C'est nickel. Voilà, voilà. Donc sur ce, les amis, fin de l'épisode. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer que sur j'aime, j'aime pas ou en commentaire. Et sur ce, si vous faites les fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'était Corastis pour Zeptable 2. Bye tout le monde et portez-vous bien.